Paris, 17 février 1673. Nous sommes dans les coulisses du théâtre du Palais Royal. Oui, bon, on a un peu rajeuni le décor. Mais imaginons. Il est près de 15h. La quatrième et dernière représentation du malade imaginaire va débuter dans 1 heure. Molière se prépare pour son ultime apparition. Voilà, ça, c'est le cadre historique de notre aventure. La suite est pure invention. Entendez bien, ouvrez toutes grandes vos oreilles sales. Vous n'avez rien à faire dans cette salle. Oh, je mettrai le feu à l'armoire avec ce bougeoir que j'ai dans ma main. C'est qui ne tient pas l'épée. J'ai là un argument qui, à défaut de vous contraindre à jouer, saura vous faire chanter. Sous ce masque du vieux Pantalone, vous semblez aussi jeune que rusé. Et vos manières ne sont pas celles d'un maître chanteur. Qui êtes-vous? Un admirateur. Cela se peut-il? Quoi donc? Il marche à quatre pattes! Quelle révélation! Dieu marche à quatre pattes! Il trotte sous sa création! Oh, quelle allure, mon Dieu! Quel croupion! J'ai préparé un sonnet de la poésie! Oh, quelle chose ennuyeuse! Monsieur, s'il vous plaît. Quoi, vous vous refusez que le public s'exprime? La poésie est un genre désuet qui n'a plus aucune utilité de nos jours. Et si ce n'est d'émouvoir et de parler d'amour? Justement, le public que je représente ici n'a qu'une envie. Il faut qu'il arrive. Il y a d'autres émotions. J'ai l'honneur de baiser les orteils royaux. Baiser, monsieur, baiser et foncer sur la bavure. Car voilà bien longtemps que ses pieds n'ont pas quitté les royales chaussures. C'est le moment que je préfère, le moment où j'ai peur. Pourtant, ils vous aiment. Ils m'aimeront dans 1 heure, mais avant, ils sont venus pour me juger. Ils veulent savoir si je suis encore à la hauteur. S'ils ne rient pas, ils sont trop heureux de me détester. Combien d'enfants cachés parmi eux? Ce sont tous des enfants. Notre vie est trop courte pour qu'il en soit autrement. Nous sommes tous des enfants. Nous n'avons rien à faire ici. Ce théâtre devrait nous être interdit.